D'abord, c'est un secret pour personne. La dernière année et demie a été difficile. Mais on a tous su retrousser nos manches pour s'assurer que nos voisins, nos amis et nos travailleurs de première ligne puissent rester en sécurité. Et maintenant, pendant qu'on en finit avec la pandémie, c'est le temps de se retrousser les manches pour rebâtir. Et tant qu'à rebâtir, pourquoi pas rebâtir en mieux? Ce qu'on veut, c'est de revenir, pas comme avant, mais plus fort qu'avant. Nos régions doivent avoir les outils nécessaires pour réussir, et c'est exactement ce pourquoi on est ici aujourd'hui. En parlant de rebâtir en mieux, ce matin, j'ai justement discuté avec le maire Lapierre des îles de la Madeleine et d'autres membres de la communauté des Madelinots. J'en ai profité pour annoncer qu'on va retirer le port de Cap-aux-Meules du programme de transfert des installations portuaires. Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'engage à avoir un plan à long terme pour le quai des pêcheurs. À court terme, pour les Madelinots et les Madeliniennes, j'ai aussi annoncé qu'on va installer une barge pour créer des espaces d'amarrage additionnels au port de Cap-aux-Meules. Le mandat va être octroyé au plus tard en septembre prochain pour la saison des pêches de l'année prochaine. When our rural communities are stronger, it means our country as a whole is stronger. And that's why we're here today, to talk about what we're doing to create more jobs for the middle class and more opportunities for our communities. Pour que nos régions soient plus fortes, ça prend des bons emplois fiables et payants. À ce sujet, aujourd'hui, on a une très bonne nouvelle. La compagnie LM Wind Power de General Electric va agrandir son usine de pales éoliennes ici à Gaspé. Le gouvernement fédéral va contribuer jusqu'à 25 millions de dollars à ce projet de 170 millions de dollars. Avec des investissements comme celui-là, on solidifie notre place à titre de leader mondial dans les énergies vertes. On aide aussi le monde à respirer de l'air plus propre et on crée des bons emplois pour la classe moyenne ici, chez nous. Une fois le projet terminé, l'usine va permettre de créer 200 nouveaux emplois au minimum et d'en maintenir 380 autres. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude ici, oui, ces pales ont l'air pas mal grandes, mais les nouvelles pales qu'on pourrait créer sont jusqu'à 2,5 fois plus grandes que celles-là. C'est du gros boulot, mais c'est quelque chose dont je suis certain que tout le monde est capable ici. On est donc très heureux de travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec pour ce projet et avec la municipalité de Gaspé. Ces projets sont essentiels pour la prospérité des Québécois. Alors, Jonathan et Daniel, merci encore de votre collaboration. Here in Gaspé, LM Wind Power will produce and export some of the world's largest rotor blades for markets in Europe and the U.S. And if you think these ones are big, you got to know the ones they're planning on building are 2.5 times longer than the ones we have presently right here. That's big. This is what building back better is all about, working together to build a cleaner and more prosperous future. So Heather and Alexandre, thank you for your commitment to this project. I often say that building a more sustainable future goes hand in hand with growing the economy, and today is yet another perfect example. It's not that we have to make a choice between fighting climate change and creating good jobs. It's the only way of creating and maintaining good jobs, not just for the years to come, but for the decades to come, is to do it in a way that understands the transformation our planet's going through and the need to continue to step up in the fight for a cleaner environment and against climate change. We have the skills, expertise, and resources here in Canada to be leaders in clean technologies. And our government will continue to take real actions to develop our industrial advantage when it comes to renewable energy. La vitalité de nos régions va toujours être une priorité pour notre gouvernement. Ce midi, Diane nous a amenés à la maison du pêcheur à Percé. On avait eu une merveilleuse vue du rocher Percé. J'ai eu la chance de rencontrer des jeunes entrepreneurs du coin. Marc-Antoine m'a parlé de son entreprise familiale de transformation de produits de la mer. Shadi m'a parlé de son restaurant, la Buvette Thérèse. On a discuté des défis de la dernière année, mais comme je leur ai dit, il y a des meilleurs jours qui s'en viennent. On va rebâtir
ensemble. On va faire en sorte que nos communautés soient plus fortes. Et avec notre gouvernement, les régions vont toujours avoir un allié à Ottawa.